Il y a des gens qui, depuis leur jeune âge, ont connu ce qu'on appelle la souffrance. Les personnes en question ont été maltraitées par leurs propres parents, dans leur famille. Ils avaient des fois des frères et des sœurs, des cousins, des cousines. Mais à chaque fois qu'ils étaient au milieu de ces personnes-là, c'est toujours elles qu'on incriminait. C'est elles qui devaient toujours faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. C'est-à-dire qu'au moment où on négociait chez une autre personne, genre, est-ce que tu peux aller faire ci? Quand la personne en question refusait, ben on disait à la personne, toi va faire. Et la personne en question n'avait pas le droit de refuser. Sinon, on lui jetait toutes les pierres. Des fois, les cousins et les cousines en question maltraitaient la personne. Ils voyaient comment les parents, les adultes traitaient la personne. Donc, les cousins et les cousines, les frères et les sœurs faisaient la même chose. À chaque fois que vous allez maltraiter une personne gratuitement, sachez que ce sont les bénédictions que vous donnez à cette personne. La majorité des personnes qui ont subi ça à l'âge adulte sont toujours plus épanouies que les personnes qui les ont fait subir, en fait. Vous traitez mal les gens. Vous ne connaissez pas l'avenir de la personne. Vous n'avez pas le droit de maltraiter une personne juste parce que la personne, vous ne l'aimez pas. Il y a des enfants qui ont souffert dans leur enfance. À l'âge adulte, toutes les personnes qui les ont maltraitées sont comme ça. C'est pour ça qu'on demande de ne pas juger la vie des gens parce que vous allez voir quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille. Vous allez voir quelqu'un qui rejette tout le monde. Il se concentre seulement sur ce qu'il a sous ses pieds. Toi, tu connais pas, tu vas venir critiquer. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la personne en question, s'il a décidé de mettre une carapace, c'est parce que depuis tout petit, on lui jetait des pierres. Même les pierres qu'il ne méritait pas. D'accord? Celui qui passe son temps à maltraiter quelqu'un, il donne des bénédictions à la personne. On ne maltraite pas gratuitement. Ok? Respectez les gens. Respectez votre prochain. On est tous des créatures. Aucune créature n'a le droit de faire souffrir une autre créature gratuitement. Comprenez.